Hey, salut à tous, ici Mister Wu. Je vous présente Mister Wu. Oui, c'est très original comme technique de Wu présentation. Attendons, attention, je me mets Wu correctement. Non, la manette ne fonctionne pas dans le menu, donc je vais devoir utiliser. Donc, ce que voilà, je vais déjà vous montrer un truc que j'ai récupéré. Donc, c'est des jeux qu'on va pouvoir jouer ensemble. Je vous montre rapidement ce que c'est. On va pas les lancer. Non, on va pas les lancer maintenant. Là, je lance juste l'exécute, enfin le client comme Steam. C'est le même principe. Enfin, s'il se lance. Alors, ce que vous entendez, c'est mon, c'est ma TV. Non, c'est pas ma TV, c'est mon. Voilà. C'est en fait mon truc en fait. Et là, c'est parce que je bouge le micro. Alors, ce que vous voyez, c'est tout simplement le client. Oh, ta gueule, pardon. Tais-toi le truc, ça bug. Donc, en fait, moi, j'ai juste à aller dans Game Library et regarder tous les jolis ou jeux qu'on a à tester ensemble. Des jolis ou jeux. Eh oui, il y a pas mal de jeux à tester, un peu de tout, n'importe quoi. On va pouvoir testouiller tout ça. C'est un truc de taré à quel point je vous ai trouvé des trucs cool. Donc ça, c'est pour plus tard. C'est pas pour maintenant. Maintenant, on va retourner sur Pokémon. Je vais vous expliquer pourquoi. J'espère que j'ai pas trop traîné cette fois-ci parce que voilà, parce que j'ai l'air à trop traîner tout simplement. Alors, j'ai déjà fait une autre partie pour vous montrer qu'en fait on peut faire plusieurs parties. Regardez, on a celle-là qu'on connaît et on a l'autre que je viens de faire pour vous montrer où je suis. Donc, on peut pas faire sortir ces Pokémon, c'est dommage. Voilà, donc on est dans un autre monde. Donc, on avait commencé ici. Je vais vous montrer où on était au début. Voilà, c'est le bordel total. Merci les gars encore pour avoir cassé toute ma maison parce que c'est censé être ma chambre, je crois. Donc ils ont carrément pété toutes mes affaires, bande d'enculés. Non mais vraiment, c'est des enculés. Voilà, c'est officiel, ils vont se faire tchoum-tchoumiser. Eh oui, par des wouts tout mous. Oui, parce que les wouts sont très très mous. Et on vit tchoum-tchoumiser l'univers. C'est très très wou connu. C'est très très wou tout ça. Avec une belle musique qui va avec. Quelle jolie wou musique. Mais oui, j'écoute, j'aime bien la musique, elle est très géniale. Mais en fait, il n'y a rien de doux. Est-ce que c'est une borne d'arcade, madame? Parce qu'on dirait trop une borne d'arcade. C'est ou croyable. Ou très très impressionné. Oh. Voilà. C'était une blague de ou tout mou. De la secte Tchoum Tchoum Mini. Hein? Donc là, donc du coup, là, c'est le début. C'est le début de la zone, quoi. Donc je regarde dans ma TV moi. Il faut avoir un plus grand écran. J'ai un écran de 32 pouces, donc c'est plus pratique qu'un écran de 15 pouces. Hein. On va essayer de capturer un Pokémon. Un ou tout mou. Est-ce que vous êtes ou de vous? Je m'en bats les ouh. Comment ça, je peux pas fuir? Tu veux mourir? Tu veux mourir? Il veut pas vous mourir. Hein. Ah non, il veut pas du tout. Hein. C'est parce qu'il est tout mou, je crois. Il est tout mou. Ça doit être sûrement ça. Trop cool, trop cool. Trop tard, trop tard. Yeah. Merde. C'est de la merde. Oh.
Je voulais pas. C'est pas ce Pokémon-là que je veux. On va les couvrir. Non, ne tue pas Outumou. Allez, meurs. Meurs. Meurs, petit Outumou. Tuez tout. Merci. Pom 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 pom. Vous voyez à quoi ressemble le jeu. C'est trop, trop cool. Trop cool. Ah oui, j'ai remarqué que mon écran par HDMI détecte carrément mon haveur média, en fait, tout simplement. C'est dingue, je vous jure, c'est pas une blague, j'étais bluffé. J'ai pas appliqué parce que je sais pas ce que ça provoque, hein, mais c'est très intéressant. Je vais vous montrer rapidement avant qu'on continue la Wouhou aventure tout mou. Ce que j'ai envie de, je fais ce que je veux, c'est mon setup. Donc en fait, je vais vous montrer. En fait, si vous voulez, oui, c'est Pokémon ça. Ça a fonctionné ou pas là? Voilà. Oui, c'est pas grave, ça s'est stoppé temporairement. C'est juste pour vous montrer ça, c'est dingue. Donc déjà, je dois toujours changer le truc ici, changer parce que de base ça, en fait, c'est autre chose. C'est plutôt ça, d'ailleurs, ça déteste un casque audio externe. C'est bluffant parce que le casque audio externe est sur mon haveur média et pas sur le PC. Donc c'est bluffant. Et le truc qui m'a encore plus bluffé, c'est que c'est un vieux PC tout pourri et il a détecté mon haveur média. Parce que c'est un haveur média Game Capture HD2, c'est le C285. Et il a détecté, il marque 60 Hz. Je ne sais pas ce que ça fait, moi je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas activé. Mise en échelle, réduit, etc. Donc je n'y touche pas, mais voilà, c'est dingue. Et tu as l'affichage intégré que je laisse et que je préfère laisser. Mais apparemment, si tu prends celui-là, apparemment ça peut, fréquence de rafraîchissement, ça peut aller en 60 Hz. Je préfère pas le faire et puis ça sert à rien. Parce que j'ai pas envie déjà. Et je préfère pas le faire parce que je verrai plus tard, mais pas pour ce let's play-ci. Donc voilà, comme ça vous êtes au courant que mon PC détecte bel et bien mon haveur média. Et ça c'est une bonne nouvelle. C'est ultra bluffant parce que c'est un vieux PC tout pourri. Un vieux PC de Windows 7. Ouais, c'est ça. Enfin, je sais pas, le fait que, ce soit un, que le PC ne soit pas connecté directement, mais que en HDMI à mon haveur média, ça m'étonne fortement qu'il détecte en fait mon haveur média. Donc en fait, la fenêtre, que la troisième fenêtre, elle a deux fenêtres intérieurement. Alors que normalement, elle est censée n'avoir qu'une. Donc c'est ultra bluffant. Aïe. On va les tchou-tchou miser quoi. Aïe. Saucisse. Alors, pour évoluer ce petit Outumou, on va le tout mousser. Si. Oui. Tchou-tchou mini. Ah, let's play commenter. Ah, les saucisses grillées de commenter. Commentation de saucisses grillées pour tous. Meurs, petit truc que je connais pas. Allez. Allez. Voilà. Je crie pas trop. De toute façon, il faut pas que je crie parce que mon micro saturerait si je crierais. Et puis moi, ça m'arrange parce que j'ai pas envie de crier de base. Donc. Meurs. Tu vas mourir. Voilà, c'est ça, meurt. Espèce de saucisse grillée. Bon sauce. Ah, tu me rassures. Tu me prouves qu'il y a moyen d'avoir des Pokémon dans le cul, j'allais dire. Derrière le FFS. Parce que ça ne marchait pas. Je
vais réessayer moi-même. Équipe. Non, ça marche pas. Apparemment, il est trop timide. Bon, tu dégages, toi. Mais je sais comment ça marche. Nickel Chrome. Est-ce que vous utilisez Google Chrome, monsieur? Il faut pas l'utiliser. Parce que Google Chrome, c'est de la merde. Voilà, monsieur. Utilisez plutôt mon système d'exploitation avec mon navigateur intégré, monsieur. Ça fonctionne nickel. Comment ça s'est pas sécurisé? Comment ça s'est mal codé? Eh, monsieur, je vous le permets pas. Oula, elle clignote. J'ai failli me rentrer dedans ou me transformer en Super Saiyan. Je sais pas trop encore. Mais ne vous inquiétez pas. Et maintenant, je me casse et j'arrête de vous faire chier. Merci. Oh putain, pas d'eau. Parce que putain, qu'est-ce qu'elle est chiante. Oh non. Non. Je peux pas bouger mon père. Ah si. Alors. On va retenter. Et le mec, il va tenter toutes ces 5 secondes. Non. Le pire, c'est que quand je vais me reconnecter, ça va me dire votre Pokémon est trop timide. Parce que le truc, il a du mal. Défi, écoutez-moi bien. Mon nom est Gétis. Hein? Gétis de la thème Plasma. Je suis venu pour vous apporter la bonne parole. Celle de la libération des Pokémon. Hein? Quoi? Ah oui, faut... c'est quoi avec dans le truc là. Acte 1, page 1, Gétis. Nous, non, il faut pas dire. Donc, nous autres humains, nous avons toujours vécu aux côtés des Pokémon, au nom d'un partenariat mutuel et tacite. Tacite, connaissez pas ce mot? D'une entraide naturelle et indispensable. Du moins. C'est ce que pensent le plus grand nombre. Mais je vous le dis, ces gens sont là dans l'erreur et le déni, le mensonge. Songez-y, l'homme préfère se vautrer paresseusement dans sa certitude. Ne les avez-vous jamais remises en question, cette certitude? Puis que tous sont les dresseurs et y servissent leurs Pokémon, les accablant, les tordre. Ces pauvres créatures, soi-disant leurs partenaires, sont leurs serfs, taillables et corvéables à souhait. Si je ne dis pas les strictes vérités, que quelqu'un ose me contredire. Or donc, je vous le dis, les Pokémon sont, contrairement aux humains, sont des êtres au potentiel insoupçonné. Nous avons tant à apprendre d'eux. Donc notre devoir est en tant qu'être humain est clair, n'est-ce pas? Acteur sur un. Parfaitement, nous avons le devoir. Que dis-je, l'impératif de libérer les Pokémon. À cette seule condition, Pokémon et humains pourront, pour la première fois, vivre sur un pied d'égalité. Écoutez-moi bien. Et réfléchissez à ce qu'il faut faire pour que les Pokémon puissent goûter à la douce vie qui leur est naturellement écuée. Je sais pas si ça dit échoué ou écué. Moi j'ai mis un j'ai retiré H à un. Parce que souvent c'est comme ça, hein. C'est souvent. Enfin soit.
échué, UQE, comme vous voulez. Je connais pas ce mot. Ainsi se termine ma déclaration. Merci encore de votre attention. Et que la paix soit avec vous. N'oubliez pas de me ramener le... Ah merde, j'ai voulu faire une blague. N'oubliez pas de me ramener le boulevard. Oui, oui, oui. Tu veux qu'on se tire l'oreille? Voilà, c'était drôle. Homme mince, alors je ne sais plus ce que je dois faire maintenant. Jeune homme, la libération des Pokémon, c'est du grand n'importe quoi. Ah, elle. Coucou, mon beau gosse. Tu sais que t'es un Zorua, toi. Spoil gratuit. Ton Pokémon. Ton Pokémon. Il m'a parlé. T'es chiant. Dis-moi, tu as bien... Tu es bien direct. Et l'un de mes Pokémon parlait. Qu'est-ce que c'est que ce Bagivern? Il parle. Il a parlé, oui. Les Pokémon parlent. Mais vous ne pouvez pas les entendre, comme je vous le plains. C'est normal, t'es un Zorua. Ah, oh, le spoil. Je m'appelle N, et je suis un Zorua en fait, mais vous saurez à la fin du fait. Non, sérieusement, il faudrait que je mette un spoil, parce que là, j'ai vraiment spoilé grave. Enfin, c'est ce qu'on soupçonne en fait, hein, mais c'est, on n'est pas sûr. Tashren, moi, ça m'excite encore plus de savoir que c'est un Zorua. Oh, je vais capturer. C'est mon Zorua, moi. Bon, alors, c'est Tashren, voici Delphish. Delphish, le mec qui arrive pas à prononcer son pseudo. Et nous était confié de la très importante mission de compléter le Pokédex. Nous voici sur la route, même si mon objectif ultime est de devenir maître. Mais bon, le Pokédex, dis-tu? Le Pokédex, dis-tu? Et pour ce faire, vous allez séquestrer d'innombrables Pokémon dans des Pokéballs. Je suis dresseur, tout comme vous, mais j'interroge toujours la normalité. Pensez-vous que les Pokémon soient heureux ainsi? J'ai du mal. Hein. Oui. Non. Deadfish, c'est ça? Laisse-moi te faire entendre ce que pense ton équipe Pokémon. En faisant un combat. Fous-toi, poil. Non, je... aïe. Je suis en train de tout casser dans ma chambre, c'est trop cool, trop cool. J'ai qu'un seul Pokémon par contre, ça fait un peu enculé. Beau gosse. Là. Je savais. T'as un sourire là, toi. Va bien, ton frère. Est-ce que tu aimes les saucisses grillées pour tous? Est-ce que tu es wouhou de toi? Non? Ben moi oui. C'est incroyable. Cette personne a tellement de puissance. Voilà, c'était une imitation de je ne sais pas quoi. Tant que les Pokémon seront enfermés dans leur Pokéball, ils n'auront pas d'existence propre. Je suis l'ami des Pokémon. Et pour eux, je dois changer le monde. Voulez-vous une saucisse grillée pour tous? Si, ça vous existe. Quel drôle de bonhomme! Mais bon, ce n'est pas grave. Les dresseurs et les Pokémon s'aident mutuellement. Sur ce, je pars devant. J'ai hâte d'en découdre avec les champions de Geass. Toi aussi affronte les Pokémon champions. Et toi aussi invente des mots entre temps et écorche tous les mots de champion que tu comprends pas. Pour devenir un dresseur respecté, tu dois vaincre les champions de chaque ville. C'est cela la clé de la réussite. Et ta mère, elle est réussie. Pardon. Vu que je... Oh,
mon Pokémon est encore abo, voilà, c'est ça, mon Pokémon s'est transformé en abo paranormalement. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est devenu un abo. Moi, je risque de faire tomber mon micro aussi, ça c'est magnifique. Waouh, je suis en train de tout casser, c'est trop cool. C'est bon, il est soigné là? Non mais ta gueule toi. Pardon. Alors, menu, équipe. Ah, l'enculé, il veut pas sortir. Pardon. Alors, techniquement, est-ce qu'on doit aller dans toutes les maisons? C'était une fois un roux tout mou qui était très très mou. Faim. Qui a faim? C'est Gustix. Non, je connais. Merde. Vous ne faites rien. Vous y faites croire que c'est vous qui faites la musique, mais en fait pas du tout. Vous êtes juste des imposteurs. Voilà. Jeu de mots. Jeu de bien. Jeu de main. Jeu de bien. Je sais pas pourquoi je dis des conneries. Hein. C'est. Je vérifie s'il n'y a pas des trucs à récupérer. Alors vous allez me dire. Là tantôt, parce qu'on n'avait pas terminé. Du coup, vous allez me dire. Attends, où tu peux mettre à 60 fps ton truc et tu préfères le laisser à 30. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Refuser la demande de combat. Oui. Je ne sais pas qui c'est. Aïe, je suis en train de le casser. Apparemment, c'est Matsmu, je sais pas quoi, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle veut se battre contre quelqu'un qui vient d'arriver dans le jeu. Bravo, Miss, c'est pas très intelligent. Normalement, on attend que la personne a un peu d'expérience avant de se battre contre elle. C'est incroyable comme les gens sont un peu débiles, des fois. Vous êtes très très impressionné par ce talent. Aux prochains épisodes, des saucisses grillées pour tous seront vendues au marché. C'est incroyable. Oh. Il comprend. Il faut. En fait, j'adore m'entendre. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, au secours, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appuyé sur le... Je sais pas ce qu'elle m'a fait. J'ai pas compris. Il faudrait la saucissonner. Très très joli. Waouh, je me dis que du 30 FPS c'est moins lourd. Déjà. Oui. Bonjour, qui êtes-vous? Mon bébé? C'est maman, comment vas-tu? Tu t'entends bien avec ton équipe et tu profites de ton voyage, j'espère. Je voulais juste prendre quelques nouvelles. Bon, je dois te laisser. Grosse bise. Maman. Mon bébé. Ah! Maman, qu'est-ce que tu fous là? Surprise, surprise. Je vais te manger. Je voulais te faire. Blague, le professeur m'a dit que tu devrais te rapprocher d'un monde. Bon, j'ai le cadeau pour rire. Oh là là. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Tu peux me laisser partir? Alors? Non mais je m'en fiche, je suis de ta vie. Tu n'existes pas. Tu n'es pas réel. Seul moi est réel. Non, en fait, je suis en pixel aussi, mais c'est pas grave. Ce Wutumu, c'est un Wutuchum de la secte Tchum Tchum Mania. Saucissonnons-le. Saucisse grillée. Il a essayé de me Tchum Tchumiser. Que je vais pas révéler à côté, je vais voir quelle heure il est. Est-ce que
excusez-moi Siam, ça fait une petite attente, mais je vérifie quand même qu'elle est là. Allô? 23h, je vais faire attention hein, parce que j'espère que je gêne pas la à côté quoi. C'est ça que je veux surtout. Parce que après cette vidéo, j'arrête. Hein. Oh non. Non. Il avait un personnage. Tu ne pouvais pas me voir. Oh mon dieu, ce n'est pas possible. Non. Référence. Pistolet à... Oh. 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 Pistolet à sauciserie. Mais normalement, vu que je ne crie pas, ça devrait aller. Je ne devrais pas déranger. Oui, parce que je parle pas fort, donc du coup, techniquement, ça devrait pas déranger à côté. Bon, pour faire certaines voix, je dois parler un peu fort. Non, en fait, même pas du tout. Voilà, c'est un peu risqué. J'avoue. Qu'est-ce que encore j'ai fait? Hein? On s'en bat les couilles, frère. Bonjour. Bonjour, aimez-vous le démarchage? Qui êtes-vous? Merde, c'était un dresseur. Merde, c'est de la merde. La merde. Je voudrais bien ce Pokémon aussi, voyez-vous. Pouvez-vous me dire où vous l'avez trouvé? Ça m'intéresse beaucoup. Ce serait extraordinaire, je dis pas, mais carrément, magnifiquement, ordinairement, incroyable d'avoir cette réponse de votre part. Pouvez-vous me dire où vous avez trouvé ce Pokémon, mademoiselle? Vous êtes charmante. Allez, faites pas votre... répondez à ma question. Vous dites dans ces herbes-ci... Tiens donc, il ne me sentait pas. Tiens donc, il me semblait d'avoir déjà cherché. Nous allons chercher du coup encore avec plus d'effort, si vous le dites. Non, c'est encore un Wuchuchum de la secte Tchum Tchum Mania. Non, on peut capturer un pour la secte Tchum Tchum Mania. C'est très très important. Oui, très très bon. C'est juste pour avoir un ou de la marque. Mou Mania. Il est si mou. Viens petit ou tout mou, viens. Si. Tu m'excuses. Bravo, vous avez capturé un ou tchou tchoum de la secte Tchoum Tchoum Mania. Amusez-vous bien. Enculé. Merde. Laissez-moi partir, je dois tchoum tchoumiser mon Wutumu. Si, ça vous existe. Charlie. Tourniquet, non, je ne fais pas de tourniquet. Et le hockey. Je ne fais pas hockey d'hockey non plus, monsieur, désolé. Ah, comme il dit très tôt. Oui. Oula, mon Pokémon va crever. Non, mais je m'en fous. Je veux juste m'enfuir. Je veux juste... Non, je peux pas me battre. Je suis à moitié mort. Laissez-moi tranquille. Non, tu me laisses... Ah, mais elle est folle. Mais je vais crever. Mais elle est conne. Elle est vraiment... Il y a ça qui m'intéresse. Non, je vais crever parce que j'ai plus de vie. Ça ne se fait pas. Oui, bien sûr. Avec mon Pokémon à moitié mort, quoi. C'est pas très sympa, ça. Bof. Oui, ben, tu peux quitter, hein. Pistolet à...
je vais crever parce que j'ai pris ce Pokémon-là. Oula, j'ai eu un coup de chance. C'est incroyable, ce Pokémon a eu un pouvoir incroyable. Oh, c'est un petit peu. C'est bon, on va calmer. Ah. C'est incroyable. Nous gagnons le combat. Ah, punaise. Punaise. De chez punaise. Tu rigoles pas, Delphiche. Bon, je vais entraîner mes Pokémon pour pas perdre la prochaine fois. Allez, à plus. D'accord, madame. Qui êtes-vous? Êtes-vous ou de vous? Non? Moi, je suis. Bonne journée. Bonne ou journée. Est-ce que nous pouvons tenter de mettre des ou qui se collent au cul et tout mou? Oh, du ta mère. Pourquoi je peux pas sortir Pokémon? Et du coup, je suis bloqué. Génial. Ah non, c'est bon. Bon, je sais que c'est possible en tout cas. Je trouve que c'est un ou de la marque Doudoumania. Il est très très tchoutchoum. J'ai juste une chose à dire, petit ou tout bout. Reste toute ta vie tout bout. C'est très très important de préciser ça. Je ne te ferai pas évoluer. Oui, je sais, je suis un enculé. Je veux te garder petit. Parce que tu es comique. Tu me fais penser... Bon, de base, ça représente un Yorkshire, ok? Mais vu qu'il n'y a pas de loulou de Splitna ou de loulou de Porémanie, Porémania, tout ce que vous voulez, ben, du coup, tu vas temporairement faire le ou maintien liaison. Tu seras un ou Porémania pour moi. Dégage, connard. Oh, des bugs graphiques. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas ce que je fais. Et oui, je suis complètement con. Il y a des bugs graphiques. Regardez, il y a des bugs graphiques. C'est génial. Génial, il y a des bugs de calque alpha. Nique sa saucisse grillée, oui, c'est pour tout pour tous. Nique sa saucisse grillée, oui, c'est pour tout pour tous. Des saucisses grillées, des saucisses grillées. Je sais pas où je vais. Bonjour. Putain, j'ai pas vu quoi. Il y a tellement de monde que j'ai pas vu. Ça en fait tout le monde s'arrête. À... C'est elle qui fait ce qui fait qui provoque cette ligne là. Oh merde, je vais récupérer ce Pokémon là, j'avais oublié. Excusez-moi, mais. Je n'ai toujours pas trouvé mon Pokémon. Ouyouyoul. J'ai mal. Je suis désabusé. Ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression d'avoir déjà revécu cette histoire plusieurs fois. Je pense qu'on est dans une ligne temporelle. Ou alors je suis résiduel. Résidufié. Je sais pas. Je pense que c'est incroyable. Apprends quoi ? Vous apprenez puissance. Voulez-vous choisir danseur prendre profond à tout le monde? Ah, je m'en fous. Remplace par manique. Non, pas manique, minique. Parce qu'on s'en branle en fait. Merci. C'est gentil. Est-ce que tu vas évoluer? Non, je l'ai dans le cul.
Alors, on va aller capturer un chat. Je sais que le chat se trouve éventuellement là où on était. Donc, c'est pratique. C'est pratique avec un casque, parce que j'utilise un casque MSI à 50€, là, quoi. Avec le... C'est un casque gaming, en fait. Et du coup, c'est pratique parce que tu, ça enveloppe toute ton oreille. Et du coup, avec la barre média, en fait, tu te re-entends, en fait, instantanément, dans tes oreilles, quoi. Du coup, c'est pratique. Ça fait voix off et c'est stylé. Et c'est là que je sais détecter ce genre de voix incroyable. Et faire ce genre de voix incroyable. C'est pour ça que je comprends un peu Super Flame quand il met de casque ou s'il n'en met pas. Normalement, il me semble qu'il doit peut-être en mettre un quand il fait la voix, une voix off, je sais pas. Ouais, c'est ça, dans les studios, c'est ce qu'on fait. Ça permet de être encore plus à fond dans votre voix. C'est incroyable. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouaka. Saucisse, oui, pour toi, saucisse. La tête, j'ai détecté un saucisse grillé. Non, mais... non, on va pas essayer de faire un peu de... Surtout que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, en effet. Bon. Faut faire attaque trompette. C'est incroyable, surtout quand on n'a pas la voix assez forte. Et parce que, je rappelle, pour certaines voix, il faut un peu parler plus fort. Donc, il y a certaines voix que je peux pas imiter correctement. C'est impossible. Parce qu'il faut que je parle un peu plus fort en début. Non, en fait, plus sérieusement, la voix que j'aurais pu imiter là, c'est celle de Clank. En fait, j'arrive un peu à l'imiter, mais le truc, c'est que là, c'est pas possible parce qu'il faut parler plus fort. Et je vais éviter de parler trop fort parce que il est 23h. Ah ben ça y est, on a un beau gosse ici. Meurs. Bah. Attends, je voudrais juste t'assommer un peu. Ça va faire un peu mal. Ne meurs pas. Ah bah bravo. Il était une fois une saucisse grillée pour tous. Bon, pendant ce temps-là, on va l'entraîner. Pikachu, attaque tonnerre. Ce n'est pas du tout la voix de Sacha. Ceci est une voix trafiquée. Non, je déconne. Non, Sacha, je sais plus comment on fait la voix de Sacha. Ah, j'ai oublié. Un Pikachu à l'attaque. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas du tout la voix de Sacha, mais alors pas du tout. Ça ressemble pas du tout. Je sais que c'est un peu comme ça qu'il faut la faire, la voix de Sacha, mais j'ai un peu de mal. N'est-ce pas, Pikachu? Tchou-tchou. Voilà. C'est un peu près ça, mais c'est pas facile. Dicta saucisse grillée. Voilà. C'était une très très mauvaise imitation de Sacha. Je vous remercie. Abonnez-vous à ce joli bonbon qui est au catalan. Monsieur le rêve. Il sera tchoum-tchoumifié. Et il sera... Et après il se posera encore des questions. Pourquoi il se fait tchoum-tchoum par l'univers? Si. Ça vous existe. Oh. Peluchette. Bonjour tout le monde. Ils sont très très tchoum-tchoum. Ils sont tout mous. Et tout doux. Ils sont très très tchoum-tchoum. Respectez-nous tout mous. Ils l'ont mérité. Oui, c'est un peu chiant. Très, Mais bon, pas la faute. Oui, c'est ça.
Aïe, ou ou. Ce que j'aurais bien envie d'avoir justement, c'est un chronomètre. Je sais pas s'il y en a un sur là. Si on sait pas en intégrer un en fait. Peut-être que si. Ce serait très intéressant parce que du coup ça permettrait de en fait savoir sa limite de temps. Parce que du coup moi j'ai pas de chronomètre donc je sais pas quand je peux à quel temps je suis. Donc je sais pas si je suis à 25, à 30 minutes. Vous inquiétez pas, mon Avermedia il continuera tant que je l'arrête pas parce que c'est un disque dur de 120 gigas de la marque Crucial qui est dedans. Donc on peut y aller hein, pour des heures et des heures. Hein. Je peux faire 50 heures ou 60 heures, un truc comme ça, je sais pas, ou même plus, je sais plus, mais en tout cas voilà, c'est énorme. Alors est-ce que vous êtes où de vous? Est-ce que tu peux sortir enculé? Non, pas toi. Cette espèce de Pokémon est trop timide pour sortir de la Pokéball. Ça veut dire aller vous faire foutre. Ce Pokémon ne vous aime pas. Ou triste, ou triste. Ou pauvre, ou pauvre. Ou pauvre. Ou très pauvre. Tout ce monde, surtout à cette heure-ci, il y a 23 heures quand même, hein. C'est pas la journée, je veux dire justement. Oui, bon, il y a l'école quand même, non? Pas école pour eux? Mais c'est pas forcément tous des gosses. Est-ce que tu veux qu'on aille vérifier à travers des fenêtres? Des fenêtres? Des houtes, où je sais plus parler. Je voudrais que vous me donniez un chat. Ah, c'est sûr, ça fait pexer mon Pokémon. Ça, c'est une bonne chose. Mais bon, je m'en bats un peu les ouf, la quête en fait. Voilà un beau Pokémon. Nous allons le tchoum-tchoumiser en toute douceur. Ouyouyouy, j'ai mal. J'ai très très mal. Bon, vu que c'est en effet, j'aurais dû regarder avant, mon effet on est à la moitié. Donc en effet, je ne peux pas l'attaquer plus sinon. Il va crever. J'aurais dû regarder plutôt en fait la barre. Voilà. Merci. Dégage. Salope. Bonsoir. Voilà. Tout doux,
Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, oh, j'ai eu un Pokémon. Oula. Ok, elle m'a donné un flamme à joue. Bon, d'accord. J'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès d'avoir un Pokémon gratuit. Vous aussi, chez vous, faites pas exprès d'avoir des Pokémon. Je veux un Eboli, je veux un Jolteon, je veux un Jolteon. Je dis Jolt aussi. Bah, je suis bloqué. C'est grillé. Lol. Est-ce que vous êtes Wouhou de vous? Mais c'est pas ce Wouhou tout beau. Si, ça Wouhou existe. Oh, ils ne veulent pas de ce Wouhou tout beau. Dommage. Wouhou est trop très mou. Wouhou est trop très mou. Je pense que en fait ils n'ont pas codé en fait les Pokémon qui disent comme quoi ils sont trop timides. Je me gratte. C'est peut-être parce qu'ils sont pas ils ont pas les sprites en fait de ces Pokémon là. Et du coup la couille c'est ah, ce Pokémon est trop timide. Ils ne veulent pas sortir de la Pokéball. Traduction, nous n'avons pas implémenté les codes et des images PNG ou GIF pour pouvoir faire fonctionner ces Pokémon. Donc vous l'avez dans le cul pour ces Pokémon. Désolé du dérangement. Utilisez un autre Pokémon pour pouvoir l'utiliser. Voilà ce que c'est. Donc maintenant je sais pourquoi ça fonctionne pas. J'ai fait quoi là? J'ai même pas regardé ce que j'ai. Oula. Ça. Aïe. Il voit très mal. Non, il va mourir. Je vais crever. Maintenant, je sais pas trop ce que j'ai fait. Hein. Moi, je pensais qu'il voulait me donner un truc en fait. Et pas me défoncer, cet enculé. Peut-être me sauver tout. Bon, la moitié sont morts, mais c'est pas grave. Tous mes autres Pokémon sont morts, mais c'est pas grave. Mes autres Pokémon sont décédés. Je perds contre toi. Mec, c'est un coup de chance. Normalement, j'aurais dû crever, mais heureusement, j'avais récupéré ce singe. Et grâce à ce singe, je ne suis pas décédé.
Et voilà, c'est ça, il fallait se battre contre Tashfan pour débloquer tout, quoi. Oh, stylé. Ah, il est stylé quand même. Bon, on se quittera après ce combat là parce qu'on va pas non plus faire tout le jeu. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, oui, c'est juste. Le mec il voulait passer genre tranquille à l'est, tu sais. Oh, je prends pas les couilles, je passe tout. Je dis tout. Oui, oui, oui. Après ce combat, on se quittera. Je pense que c'est pas mal amusé. J'ai toujours l'air à regarder mon avion en disant il va planter, il va planter. Non, il plantera pas mon chou. Voilà. Le Pokémon est presque mort. Vu que j'ai pas de potion. Je vais tricher. Ça s'appelle la triche du. Je tue, je soigne, je tue, je soigne. C'est une technique ou un montage. C'est incroyable. Alors là. Oula. Ah non, c'est bon. Je ne pas me battre, j'en ai marre de ces gens qui m'attaquent tout le temps. Ah, enfin. D'ailleurs, il faudrait que je récupère le multi-ex durant le moment de ça. Non, mais c'est bon en plus. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Aïe. Oui. J'ai très mal. Je ne fais pas semblant. Ceci fait très mal. Oui, aïe, oui. Aïe, aïe, oui, oui. C'est bon là, j'en fais pas trop. C'est parfait. Merci, chef. Quel acteur incroyable. Cet homme. Un don pour les saucisses combat. Et voilà, non, j'ai soigné mon Pokémon parce que je suis un gros enculé. Je l'avoue. Je suis un gros encalé. Je vais soigner mon Pokémon. J'en ai rien à foutre de règles. J'ai décidé que c'était comme ça. Je vais faire tout. Je vais tout m'aider combattants. Je dois choisir entre l'un des trois si je me trompe pas. Donc je batte le type O du coup.
Je m'en bats les couilles. Tu te fous de ma gueule le jeu. Je dois me battre comme un contre ceux-là. C'est mon ennemi. Pourquoi voulez-vous que je me batte contre lui? Cette musique est incroyable. Ouais, c'est sympa la musique. Oui, oui, je vais crever. Oui, oui, oui. J'ai très très mal. Je souffre. Ah, c'est con, t'avais pas prévu ça. C'est ça. Par contre, j'ai pas de, de potion, donc je suis dans la merde si au cas où il crève. C'est un peu ça. Oh, c'était pas normalement ton truc, petit coquinou. C'est normalement l'expérience de notre Pokémon, mais bon. Oh là, je suis chamboulé. Voilà, je suis chamboulé, chamboulé. Tu as beaucoup de force. Même Arnaud et Noah n'auraient pas pu te vaincre. Tu ne pourras jamais me vaincre. Tu as compris, Sacha? Tu ne pourras jamais me vaincre. Est-ce que ce serait ça qui ferait que maintenant je peux équipe? Non. Le mec qui essaie sans cesse. Quoi. Ah, il s'arrête pas. Ah, je suis où bloqué? Et si je pars? Non, mais je vais soigner mon Pokémon. Vous savez que mon Pokémon est décédé. C'est que le truc ne fonctionnera pas. Pareil, combien que ça va dire? Cette fonction n'est pas encore implémentée. Pas dit, cette fonction n'est pas encore implémentée. C'est incroyable comme cette personne connaît le jeu. Soyez mon Pokémon. Ah bah oui, je peux pas passer après. Bon ben on va se quitter ici hein, les gens. Je pense qu'on aura fait des bonnes aventures parce que j'aimerais bien arrêter pour un côté aussi. Parce qu'il est tard chez moi. Il doit être minuit même peut-être. Et j'ai pas envie de déranger en fait pour un côté parce que j'ai peur de les déranger, les empêcher de dormir. Ils travaillent eux demain donc. Du coup, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, portez-vous bien, bande de petites truffes. Ciao, ciao. Saucisse grillée.
pour tous, pour vous.